à travers un still life, c'est l'occasion de recréer un tableau parce qu'on peut manipuler la soie, on peut avoir un détail autour de la dentelle, on peut en faire des fleurs, on peut en faire plein de choses un peu abstraites. On a commencé à faire les still life déjà en 1994, donc c'était au tout début avec mon mari photographe. Et je racontais aussi des histoires à travers ces still life. Et ils sont restés aujourd'hui. On voulait aussi donner la possibilité de voir des dentelles comme on n'a pas du tout l'habitude de les voir. Et ça, c'était assez enrichissant comme rencontre.